Non. Et ceux qui sont capables d'entrer dans le système sans se poser de questions, et ceux qui repensent le système. Et ça correspond à deux catégories. Les gens d'en bas, le système, il est là. Il ne bouge pas, il l'applique. D'ailleurs, il ne serait même pas capable de le corriger. Il ne serait même pas capable de comprendre en quoi il dysfonctionne. En revanche, il y a des gens qui ont une capacité critique beaucoup plus développée et qui, eux, peuvent voir où sont les dysfonctionnements. Pas simplement constater les dysfonctionnements, parce que ça, c'est un autre problème, mais constater les causes des dysfonctionnements. Et à ce moment-là, il y a une critique qui est possible du système, une correction, une réforme du système qui peut se produire.